Bah, moi ça va bien, depuis l'opération je m'entraîne tous les jours avec les kinés et ça avance bien. C'était face à Nancy, c'est vrai, j'ai marché sur le ballon, j'ai ressenti une douleur immédiatement et j'ai dû sortir à la 59e. Je ressens ça comme une blessure bête, mais qui fait partie du foot, donc faut passer par là et revenir au plus vite sur le terrain. Non, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi long. J'espérais revenir le plus vite possible. C'est vrai que j'en ai pour un mois et un mois et demi. J'aurais pu en avoir pour trois mois et demi, fin de saison. Donc je suis content et j'espère revenir le plus vite possible. Bah, suite à ma blessure face à Nancy, j'ai dû me faire opérer du genou. Plus précisément du ménisque. Et avec les kinés, on a mis en place un programme de rééducation pendant 4 semaines. Et on attaque la deuxième semaine. Cette blessure, je la vis bien parce que ça fait partie de la vie du football et ça aurait pu être plus grave. Donc je fais tout pour revenir au plus vite et j'espère revenir au plus vite. J'espère réintégrer le groupe face à Auxerre. C'est ce qu'on s'était dit avec les coachs et les kinés. Et j'espère gagner ce match quand je vais revenir. C'est vrai que c'est dur de voir ses coéquipiers perdre. Même si t'es pas sur le terrain, bah, t'as envie de les aider. Je le vis comme si j'étais sur le terrain. Je parle à mes joueurs alors que je suis derrière la télé ou dans la tribune. C'est comme si c'était moi sur le terrain. Mais faut pas lâcher et on va pas lâcher jusqu'à la fin. C'est vrai que je serai absent contre Caen, car ça fait trop court. Mais c'est vrai que je le vis mal, parce que c'est le derby. Et je voulais vraiment le jouer ce match contre Caen. J'espère que mes coéquipiers vont faire le nécessaire pour gagner.